Ça fait que ça, c'est comme ça qu'on fait pour voler. C'est ça le brûleur? Ouais, on appelle ça un brûleur. C'est le moteur de la montgolfière. Ça fait du feu. C'est comme un gros barbecue. Mais c'est ça, vraiment, vraiment c'est chaud. C'est ça, je t'avais dit. Comme un gros barbecue avec ce. L'International de Montgolfière vous dit merci, sachant que votre c'est ça que collaboration vous permet. On est des aérostiers parce que nous pilotons des aérostats. On n'a pas de moteur. C'est seulement de la chaleur qui fait monter et descendre le ballon. Ce qui est plaisant, ce que j'aime donner à mes passagers, c'est de transmettre ma passion de l'air. La passion, la sensation d'être relax, de ne plus penser au travail quotidien, simplement d'être bien dans mon univers et de transformer ma passion à mes passagers. Les plus beaux cieux, un plus beau ciel du côté de Toulouse en France. Une montgolfière, c'est simplement des cylindres de propane que nous avons à l'intérieur. Le liquide de propane va monter dans les tuyaux, va monter dans le brûleur, va être préchauffé dans le serpentin et va redescendre pour la valve. D'où ça va être injecté vers le ciel, vers le haut. À l'intérieur, nous avons un petit pilote qui est tout le temps allumé, une petite veilleuse. Cette veilleuse-là va faire le contact avec le liquide. Il va être projeté dans les airs. Plus qu'on donne de chaleur, plus qu'on monte, moins qu'on donne de chaleur, on redescend tranquillement. Pour avoir l'autorisation des vols, on va avoir une réunion des pilotes qu'on appelle un briefing. Tous les pilotes se rassemblent et on n'a seulement qu'un ou deux personnes qui s'appellent des Balloon Masters. Eux, ils vont analyser la surface des vents, l'altitude des vents et la vélocité des vents. Avec la topographie des vents, ils vont être capables de nous dire, bon, bien, le soleil va se coucher, les vents vont. Le soleil va se coucher, il va faire moins chaud, il va avoir moins de précipitations, donc le vent va diminuer en intensité. À partir de là, on va être capable de prévoir une direction de vent avec une variation d'une vitesse de vent possible. Présentement, on regarde les drapeaux ici, le drapeau du Québec-Canada. On sait que le coin supérieur en haut est tout le temps dans les vents, tout le temps en haut. On sait que présentement, on a une vitesse maximum de supérieure à 10 nœuds. Nous, on devons avoir une vitesse inférieure à 8 nœuds. On peut avoir quelques bourrasques de vent entre 8 et 10 nœuds. Préférablement, 8 nœuds et moins au sol pour le décollage. Thank you.
y a 6 grains de couleur après sa ventrale. Puis il lance un poids, la chaîne, ça désactive tout, puis il se met à tourner. Je voudrais trouver, mais je pense que c'est sauté de combien haut? 6 000 pieds. 6 000? Pas super longtemps qu'on sautait 6 000, on ouvre le parachute tout de suite. Puis on vient se rejoindre du parachute, puis on commence à prendre des formations. Tu veux faire une photo? Oui, le mot déçu est peut-être exagéré parce que c'est le plaisir d'être là et ensemble. Évidemment, on aurait préféré voler un peu plus, mais il faut savoir que le ballon, ça fait notre activité est une activité assez aléatoire qui fait qu'il faut savoir s'adapter aux conditions météo. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de bons pilotes, il n'y a que des vieux pilotes. Les jeunes pilotes qui sont morts, c'est parce que peut-être ils n'ont pas respecté les règles. Donc il faut savoir respecter la nature. Là, on ne peut pas voler, ben on ne peut pas voler. Puis voilà, on va boire un coup et puis on va célébrer que demain on volera peut-être. Mon père, c'est lui qui a eu une des premières montgolfières en Europe. Je crois que c'est la montgolfière numéro 2, qui s'appelait Fanfan la Tulipe. Et on a volé avec cette montgolfière autour de 1970 ou 72. À cette époque-là, en France, il n'y avait que deux montgolfières et on ne savait pas du tout comment ça marchait. Donc il n'y avait pas de brevet, il n'y avait pas de mode d'emploi, on achetait une montgolfière et on partait. Comme il n'y avait pas de ventilateur, il fallait obligatoirement du vent pour gonfler le ballon. Et donc on partait dans des conditions qui aujourd'hui seraient horribles. Et chaque vol était un peu un crash. C'était pas facile à contrôler les atterrissages. Il n'y avait pas de technologie avec le parachute, par exemple, pour contrôler la descente. Donc c'était assez kamikaze. Et j'ai volé avec mon père. Et puis on a dit, on va arrêter là parce que ça va mal finir. Et on a arrêté. Donc ce ballon est resté rangé pendant longtemps. Et moi, il se trouve que je travaillais dans le midi de la France, un petit village qui s'appelle Quillan, dans l'Aude, à côté de Carcassonne. Et la compagnie qui m'employait m'a muté au Québec pour diriger une compagnie canadienne. Moi, j'ai accepté avec plaisir, je ne connaissais pas du tout le coin. Et le hasard, c'est là que le hasard a joué, c'est le jour de mon arrivée au Québec, pour être présenté aux employés, j'étais président de la nouvelle compagnie. J'étais à l'hôtel des gouverneurs, là, qui on appelait Vallée des Forts à l'époque. Et le matin, je me suis rendu toute ma vie, un dimanche matin, je devais commencer à prendre mes fonctions lundi, et dimanche matin, un bruit épouvantable autour de la fenêtre, et je me demandais ce que c'était que ce bruit qui m'a réveillé en sursaut, surtout avec le décalage horaire, on est un peu mélangé là, un peu mêlé. Et j'ouvre la fenêtre et il y avait 100 ballons autour de la... Il se trouve que tous les ballons allaient vers l'hôtel. Donc j'ai vu des ballons et c'est la première fois que j'ai envoyé des montgolfières depuis que j'avais pas volé en 1970, donc c'est en 88, ils étaient longtemps. Donc là immédiatement j'ai pris ma voiture, j'ai poursuivi des ballons, j'ai parlé avec des gens et j'ai vu que ça volait parfaitement bien. La compagnie qui m'emploie, quand j'ai parlé de ça, ils m'ont offert un vol pour le lendemain et c'était le festival en fait. Donc je suis arrivé le jour du festival sans savoir. Évidemment j'ai pris le virus immédiatement parce que là j'ai vu qu'on pouvait piloter, surtout je suis pilote d'avion, de planeur. Un peu tout ce qui vole, ULM, paramoteur, parapente et tout. Et donc, je me suis inscrit ici au Québec et j'ai passé ma licence canadienne. Et après là, le virus est pris et c'est fini. Et ici, c'était mon festival favori quand même. Bien qu'en France, il y ait des très beaux endroits. Il y a à Cahors, à Villefranche-de-Rouergue. Je vous conseille, vous avez déjà volé en ballon? Moi, non, jamais. Ben, il faut y aller. Jamais. C'est une expérience exceptionnelle. Tous les gens qui volent sont ravis,
vraiment ravis. On n'a pas le vertige, jamais. On a un sentiment de plénitude et parfois de bonheur absolument incroyable. Ici même, on a eu des... Je crois que c'est dimanche dernier, il y avait un peu de brume et de... On volait à 3000 pieds, c'était à 1000 mètres. C'était grandiose, le voir la baie Missisquoi et puis Montréal, c'était extraordinaire, extraordinaire. Et puis tous les ballons autour, très, très impressionnant. Vous de même, vous devriez voler, monsieur le caméraman. Très intéressant. Eh bien, merci beaucoup, voilà, j'espère vous revoir l'année prochaine pour la prochaine édition. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Bonjour. Merci.